On ne présente plus Gisela Pulido. À seulement 17 ans, la jeune Espagnole a déjà gagné 6 titres de championne du monde en kitesurf freestyle. Mais en dehors des périodes de compétition, Gisela aime bien se lancer des défis. Après une course contre un ferry ultra rapide de 40 tonnes sur le détroit de Gibraltar, la jeune surdouée s'attaque à une grande première mondiale, naviguer dans les eaux dangereuses des 12 apôtres. Ce site, aussi grandiose qu'inhospitalier, désigne un regroupement d'aiguilles calcaires géantes dans le parc national de Port Campbell, le long de la route Great Ocean Road, en Australie. Très redouté des navigateurs, ce spot n'avait encore jamais été pratiqué en kitesurf. Contraste entre la petite kitesurfeuse et ses pieux pouvant atteindre 45 mètres est saisissant, et les images de toute beauté se passent de commentaires. Saine et sauve de cette sortie, l'Espagnole avouera que son plus gros défi aura été de vaincre sa peur dans un environnement aussi effrayant et surtout de dompter les vagues et les courants créés autour des aiguilles.